personnage totalement oublié de Dragon Ball Legends est à l'heure actuelle tier Z dans les boosts. Donc c'est-à-dire qu'il va chercher 100% de dégâts supplémentaires lorsqu'on va le jouer dans sa propre team en saga Dragon Ball. Donc les gars, on s'est empressé de cuisiner quelque chose de malade. Parce que oui, je rappelle, ben déjà le perso il a des grosses statistiques. Donc évidemment 100% de dégâts via les boosts, c'est rigolo. En plus de ça, on lui a mis 3 caps Zenkai. On va le jouer les gars avec Bulma Bleu, Piccolo Rouge et lui-même. Comme ça on va voir que des items de malade. Préparez-vous les gars parce que vous allez voir Daima au violet, il va taper. Mais genre quand je vous dis qu'il va taper, c'est qu'il va taper très 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 fort. Bon, attention à pas se faire attraper par Migaté, sinon on va le regretter toute notre vie, parce que sinon on est mort, littéralement. Alors vous allez être surpris de voir comment le perso, ben en vrai il tank pas mal. Genre vous allez voir, il tank pas mal du tout. Bon, on va essayer de lui faire comprendre en face pourquoi mettre tous tes meilleurs persos dans une team c'est nul. On va essayer de lui faire comprendre que c'est pas ça du team building dans un jeu PVP. On va essayer de lui montrer, ouais. On n'est pas bête les gars, on va pas rester sur le terrain hein, face à lui, hein. On n'est pas bête, on a toutes les couleurs pour essayer de le contrer un petit peu. Donc on va espérer réussir à mettre ça en place. On peut spé, c'est cool, ça va générer une verte. Ok, on a sa verte à lui. Ok, il va faire attention à Migaté là. Je pense que c'était pas mieux en vrai les gars de... Putain, je fais l'erreur là. Ah ouais, je fais l'erreur. Aïe 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 aïe, arrête. Ouh. On aurait dû prendre l'ulti du départ en vrai, ça aurait été plus intéressant je pense, parce que là, waouh. Oh. Ok, double verte, au moins il aura pas avec Gohan. Ah, ça va être dur. Je pensais qu'il avait break. Possible ça. C'est quoi ce combo? Mais c'est quoi ces combos que je prends? Wesh! Ah, log de main, log de transfo. Oh là là, destruction de carte, la totale! La totale, log de main, je peux pas transfo, destruction de mes cartes. T'as ulti sur le contre-type. Ce qu'on appelle. Frontière là. Non, non, pourquoi tu te mets à lag? Pourquoi tu te mets à lag? Les mecs qui se mettent à lag quand on tape, quand les adversaires tapent, je vous jure, vous méritez de vous faire taper. No violence ici, bienveillance, mais là, 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 quand même. Prends le kill. Ok, voilà, ça c'est cool. C'est même très cool ça. Ok, oh, il nous laisse tuer, ok. On va prendre le kill là. Quantité de régène de force diminuée, pourquoi pas en vrai. Ciao. Il nous a réduit le ki, on n'a pas de ki, on manque de ki là. Frérot, vous avez vu les gars, ça c'est ce qu'on appelle un cheater en face. Vous avez vu que ça lag que quand je tape? Je sais pas si vous avez remarqué les gars que ça lag que quand moi je tape en fait. Ouais, ça se voit. C'est pas grave les gars, on va essayer de gagner. Mais c'est, en fait c'est un mec qui lag, en fait il lag que quand, vous voyez quand il tape, y'a pas, vous avez vu là? Y'a pas. Mais quand je vais attraper, vous avez vu, oh ça se voit tellement. Vous avez vu les gars, là la game lag pas. Dès que je lui mets une carte, la game se met à laguer. Ah c'est, là c'est... Oh bah, j'en ai vu des games où là on met en avant quelqu'un qui... Là c'est hyper impressionnant. C'est hyper impressionnant parce que en fait la game ne lag pas. Mais du moment où c'est moi qui attrape, je peux plus combo. Et c'est trop flagrant. Ok les gars, bon attention parce qu'il y a quand même pas mal de caps de Zenkai en face. Ce qui va être chiant les gars, c'est d'aller chercher la transfo d'Aimao. Qu'elle est super chiante en vrai.
Elle est très longue, mais par contre, une fois qu'on l'a, je pense qu'on peut faire mal. Attention, parce qu'on n'a pas de bol en vrai. Double cover blast, c'est pas foufou pour une team blast, quoi. Allez, les gars. Bon, évidemment, ça joue. Quelque chose de très opti en face de nous. Donc. On voit un peu les dégâts là. Si, ça va taper. Hein. Je me demande si c'est vraiment bien d'avoir fait ce que j'ai fait. Après, ça va, elle revient vite en vrai. Elle revient vite. Au niveau des DB en vrai, on n'est pas si mal. Ah, par contre, double verte, là, je sais pas où est-ce qu'il va chercher ça, les gars, de par son golden, là. Mais là, double verte, ça fait mal. Hein. Aïe. Ok, on va essayer d'anticiper une cover blast, là. Voilà. Et les dégâts sont bons, les dégâts sont plutôt bons, mais... Mais je tombe face à des mecs qui font n'importe quoi, les gars. Mais comment... C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Transfo Gohan sans... Bref. On va break, là. Et je lui dis, il fait trop mal. Embêtant, ça. En vrai, son beast, il est nul. Mais vraiment, par contre, son golden, il est énervé, quoi. J'ai lu son golden, il est énervé. Et malheureusement, bah, avec ce qu'on joue, jouer golden, bon... Par contre, vous avez vu, il tank bien. Quelque sorte, il me permet de tanker un peu l'adversaire. Ça a piqué, ça. Hein, on est mort. Ah ouais, non, alors, par contre, je pensais pas. Je pensais pas, les gars. Oh, il a fait trop mal, mais comment ça, il me... Mais Golden, les gars, il est dans un autre monde, hein, je vous jure. Hein. Golden, quand tu joues des plus vieux persos, Golden, il est d'un autre monde. Mais vraiment d'un autre monde. C'est une dinguerie. Il m'a tué, là. Ah ouais, c'est ouf. Ah, je suis bien. On va pas laisser le LF, les gars. On a d'autres games à faire, mais... Bon, en vrai, il a tapé fort encore, mais... Et j'en ai marre de croiser que les meilleurs persos de la méta en combat au trésor. Je veux croiser des trucs fun, moi. Bon, je vous dis, les gars, les joueurs ont peur. Les joueurs ont peur de jouer autre chose que... Regardez, mais vous vous rendez compte que tout le monde joue ça en combat au trésor, les gars? On en est venu que tout le monde joue ça en combat au trésor. Je veux bien apporter Blast bienveillance, Blast heureux, machin. Ouais, la réalité, c'est ça, quoi. La réalité, c'est que les mecs jouent ça en combo trésor. Ils sont tellement nuls au jeu qu'ils savent pas jouer autre chose. Les gars, on est en combo trésor, vous gagnez pas de points, pas de récompense. Je vais rappeler, vous n'avez pas de récompense, les gars. Pourquoi vous jouez ça? Je comprends pas. C'est pour ça que, les gars, mon objectif, et ça serait incroyable, ça serait de détruire ce genre de joueur-là avec Daimo Violi. Si je le détruis, c'est la honte ultime pour lui. Faut rappeler la chose, s'il perd avec sa team face à ce que je joue là, juste la honte pour lui, en fait, c'est tout. Y a pas autre chose, c'est juste giga honte pour le frérot. C'est tout, faut juste rappeler les choses et les faits, c'est que ça serait une giga honte pour lui. Et moi, l'objectif, c'est de l'humilier ici, y a aucun souci. Je veux dire, à quel moment, enfin, il faut rendre compte qu'il y a les mecs qui ont pas les nouveaux persos, c'est le seul mode de jeu d'entraînement, plus ou moins. Je veux dire, il y a quand même un effort à faire des joueurs, quand même. Il y a quand même des joueurs qui ont besoin de faire un effort. Quand encore, tu rencontres, je rappelle, tu n'as pas de récompense. Je sais pas, mais faut penser un peu aux autres, quoi, enfin, je sais pas. Je comprends pas. Encore, quand c'est un ladder, j'ai rien à dire. Un ladder, je ferme ma bouche, les gars, j'ai rien à dire. Parce qu'un ladder, c'est l'objectif d'un ladder, jouer de manière compétitive. Je le conçois totalement.
Donc, bon bah voilà. Regardez les dégâts là. On l'a. Ouf. Ah oui, quand même. Oui, le problème, il est là, les gars, je peux pas taper. Là, c'est son golden. Encore une fois, je veux pas faire offense à mon adversaire, mais vous comprenez bien le problème, là. C'est que je... Le gars, il a... Okay, il me met des dégâts alors qu'il me, ta... il me touche pas. Voilà. Voilà comment il gagne, avec des tap-attaques. C'est le seul truc qu'il arrive à faire. Le seul truc que l'adversaire a réussi à me faire, les gars, c'est me tap attaque dans la game. C'est le seul. Moi, je vais essayer de le gagner, les gars, avec Demo. Hein. On va essayer de faire ce qu'il faut, mais ça veut dire... Frérot. J'espère que tu as pris une belle leçon là, frérot, en face. Mon frérot en face, j'espère que t'as pris une belle leçon. Tu viens te faire fumer toute ta team par Daimao violet. Daimao violet. Tu viens te faire fumer ma casto devant tout le monde. Les gars, c'est pas jouer vos meilleurs persos qui vont vous rendre meilleurs. Apprenez à jouer au jeu, quitte à jouer des persos moins forts. Mais vous apprenez pas à jouer au jeu avec les trois persos comme ça. Vous regardez des vidéos, vous dites ah c'est fort, je joue ça, j'ai même pas besoin d'être fort au jeu. Bah ouais, mais du coup derrière c'est ça. Et encore une fois, c'est en ladder, j'ai rien à dire. C'est en combo au trésor, j'ai le droit de dire ce que je veux. C'est pas... C'est nul. Regarde. J'ai rien gagné. J'ai gagné des médailles d'équipement, mais tu les gagnes si tu perds. Tu les gagnes aussi si tu perds. Je crois que ça joue full Saiyan avec notre cher ami Golden Freezer qu'on voit absolument partout. Je peux vous assurer que le nombre de gens qu'on a invoqué sur Golden, c'est impressionnant. Allez, c'est parti. En plus, Golden, tu sais que t'es parti pour une game qui va durer potentiellement. Surtout que j'en ai ras-le-bol de voir ces, 4... ces blasts à 89, là. Écoutez, pas de côté là. Ah, c'est pas fou ça parce que. En vrai, mine de rien, on va donner. Oulala. Il switch jamais le frérot? Il switch jamais sur ta Goku Bardock là? Ouais, c'est pour ça que je vais faire gaffe moi. J'ai bien compris où il voulait en venir moi. Wow, fallait bien qu'il réussisse à la placer les gars. C'est ce qu'il cherchait depuis tout à l'heure. Normal, au bout d'un moment ça passe. C'est réduire ton attente un peu de tout le monde là. Ok. Ah, ça va pas être facile, c'est l'attaque Goku Bardock. Il a les bonnes couleurs, il a bien géré ça. Hein. Tu vois, ça c'est relou. Parce qu'on a, la, on a l'aspect de Locke. Et il est en place. Hein. Alors là, par contre, il y a des choses que j'accepte, frérot. Mais alors, par contre, faire ça, c'est quand même moyen. Franchement, faire ça, c'est quand même moyen. T'as vu ce que je joue. Oh là là. Allez, contre. Oh, on mérite tellement de... on mérite tellement de le contrer les gars. Qu'est-ce qu'on mérite de le contrer, c'est fou. Malheureusement le mérite ne fait pas tout. Il va me dispel, ouais non mais là c'est n'importe quoi. Frérot, pourquoi tu fais ça en fait? L'objectif c'est juste de pas apparaître dans la vidéo si jamais, je sais pas. Faire un petit effort tu vois sympa, juste histoire de passer un bon moment entre amis tu vois. Je suis pas ton ami d'ailleurs. Vu comme tu joues, je suis vraiment pas ton ami là. Moi, j'ai pas envie. Mais pourquoi tu backdash, frérot? On joue un jeu Dragon Ball? L'essence de Dragon Ball, c'est pas je me barre le plus loin de la map et j'essaye d'esquiver l'adversaire? L'essence de Dragon Ball, je suis pas sûr qu'il fasse ça.
Et sans Dragon Ball, c'est viens de taper, frérot. Il fait trop mal, il fait trop mal. Je vous jure, il fait trop mal. Attendez le rasing. Ah. Oh. Pas trop compris ce qu'il a fait là. Ok, tant mieux pour nous, tant mieux pour nous, tant mieux pour nous. 10 millions de dégâts, c'est énorme. Ça passe pour lui, ça, ça passe pour lui. Est-ce qu'il va être migaté pour terminer le kill ou pas? C'est cela mon interrogation. On fait une vraie game, les gars, mais vous vous rendez compte comment c'est dur. Les mecs, en fait, vraiment, je vous jure que c'est vrai. Hein. Leur objectif, c'est premier degré, juste d'essayer de m'abattre. Genre vraiment, vraiment essayer d'abattre Daimao, tu sais, genre en mode, c'est le grand méchant de Dragon Ball Legends, tu vois. C'est trop frustrant. Pas trop normal ça. Bien joué. C'est pas trop normal que ça se mette à laguer bizarrement là, tu vois. Enfin, il y a quand même des trucs moi qui me dérangent, les gars, quand je joue. Je sais pas si vous les voyez autant que moi, mais moi il y a des trucs qui m'embêtent un peu quand je touche l'adversaire et que je n'ai pas le droit de le toucher parce que ça lag en fait. C'est très bizarre. J'aimerais finir sur des bonnes ondes, parce que mine de rien, il y a quand même moyen, et réussir à prendre du plaisir sur Legend, c'est possible. C'est juste qu'en fait, il y a forcément des moments où tu enchaînes, et moi, c'est ce qui passe, c'est que j'enchaîne que des trucs pourris. Donc forcément, tu perds un peu confiance, quoi. Allez, on est concentrés, les gars, il a décidé de jouer quelque chose de différent, de rigolo, bravo, on applaudit l'adversaire qui porte ses couilles. Et j'espère que ça lui fait plaisir de croiser aussi quelque chose de différent de ce côté. Des deux côtés. Ça, c'est sympa. Alors là, est-ce qu'il va passer sur le Bardock ou pas? Ça serait l'objectif, mais je sais pas s'il va le faire. Je sens qu'il en a rien à cirer, frérot, là. Ah oui. Bon. C'est pas son Bardock. Ok. Et ouais, ça accélère, là! Permet d'aller chercher une Dragon Ball en vrai. Surtout qu'en vrai, je suis pas loin. Là, vous voyez, il n'y a pas d'entrave. Ça va être tellement agréable cette game, je vous jure. Là, il va me spé dans tous les sens. Allez. Ok, là, ça va faire très très mal. Tu vois un peu? Eh ouais, il s'en doutait pas de celle-là. Attention. Attention, il va chercher les... On va tackle là. Et c'est bon, Goku. Ok, ultime. On prend l'immortalité. Là, Daimo, il a vraiment été cool. Là, vraiment, il a été cool. Il a permis de détruire le Goku free-to-play. Et voilà, quand c'est un peu moins bon en face, quand c'est un peu moins petit, qu'est-ce qu'on s'amuse quand même. Un petit peu plus, déjà. Ça fait plaisir. Ça passe. Non! Non! Si ça passe! Oh, je pensais que ça passait pas, les gars, le Bakayalo! Ok, je pensais que c'était bon pour nous, mais. Et là, ah bah là, regardez bien l'accélération de Daimao là, sur la blast. Tiens! Et encore des boosts de dégâts, et on réduit le coup des blasts, et voilà!
Comment finir dans de bonnes ondes, les gars, avec un peu de bonne humeur et bien GG à l'adversaire, j'ai compris ce qu'il a voulu faire en fait. Son objectif, les gars, c'était littéralement de main avec Goku violet pour générer que des spé et spé avec Goku Namek. Par contre, quand j'ai strike, j'ai dû prendre exactement le bon timing pour qu'elle proc pas. Il y a des gens qui vont, je pense, poser la question dans les commentaires pourquoi elle a pas proc. Parce qu'en fait, il faut que ça soit à l'activation. Tu tapes derrière, mais il y a un délai en fait. Et j'avais dépassé ce délai là. Honnêtement, je pensais qu'il la prenait. Hein. Mais bon, tant mieux pour nous, les gars. Puis on se dit très vite, prenez soin de vous. Ça aurait été extrêmement dur. Ciao.